Salut à tous et merci de nous retrouver sur CRTV dans le cadre de Ponctuation. La Ponctuation, on va s'intéresser aujourd'hui à un roman. Alors, c'est un peu l'histoire d'un personnage qui nous aide à observer la ville dans son côté cour et son côté jardin, dans ses travers, ses revers. Parti à la recherche d'un boulot, eh bien, Joël va sortir de là, alors qu'il était en quête du travail, avec une enquête bien palpitante des histoires de la ville, dans un roman baptisé du titre Almoyane, roman qui est signé Anicette Billet-Sembo. Bienvenue, madame. Merci, bonjour. Alors, vous nous sortez cet ouvrage. Dans le dos de l'ouvrage, on lit quelques éléments sur votre biographie. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure de Yaoundé, professeur des lycées d'enseignement général. Vous êtes titulaire d'un doctorat en lettres, littérature et civilisation française à la Sorbonne. Et vous enseignez à Fussel-Coulanges, à Yaoundé. Exactement. Ouais, c'est tout ce qu'on peut dire? C'est tout. J'ai également découvert qu'il était très difficile de parler de soi-même. Donc, pour le moment, oui, je trouve que non, c'est tout. Les autres choses arriveront. Qu'est-ce qui vous amène au roman? Les choses que j'observe, qu'on peut tous observer. C'est tellement intéressant d'observer la rue, les mouvements des enfants qui reviennent de l'école. Voilà, tout, je sais pas. La vie quotidienne. La société. Est-ce qu'il y a une différence entre, côté observation, hein, entre l'enseignant, un enseignant, quelqu'un qui a la compétence, et un artiste qui a juste l'inspiration? Est-ce que le regard est encore plus, on va dire quoi, plus expérimenté, plus aguerri quand on est enseignant et auteur et artiste? Probablement. Ce qui est sûr, c'est qu'on observe pas. On peut observer les mêmes choses, mais pas les voir de la même façon. Quand moi je lis derrière un taxi, les jaloux vont sauf que mourir. Vous voyez, c'est une formule qui. Mais moi, ça m'éblouit et je me dis ça, c'est de la recherche. Quoi. Ah, je croyais que ça vous insupportait. Non, ça m'insupporte quand je suis dans le cadre de la correction. Mais là, quand on est dans la rue, je suis en train d'aller au marché, je vais au travail, ben, je ne suis pas dans le cadre de la correction. Ouais. Je suis dans le cadre d'une citoyenne qui vit dans sa société, alors qui vit sa société. En parcourant ce livre de 135 pages, je constate qu'en dehors de l'intrigue, il y a beaucoup d'humour. Alors, c'est quoi? Vous puisez ça dans votre éducation? Je pense que c'est ça. Et je dis merci à ma famille parce qu'on part toujours sur des fous rires. On se salue par des fous rires. On se réveille avec des fous. On se réveille, on fait la prière. Voilà. Ouais. Ça, au moins, il ne faut pas déroger. Vous priez avant de rire? On prie en riant et souvent, mes neveux ou petits-fils nous font rire pendant la prière ou lorsque eux, ils prient. Voilà, c'est le rire chez nous, c'est quelque chose. Quel a été le livre qui vous a le plus donné envie d'écrire? Le livre, il y en a beaucoup. Tous les livres que j'ai lus, tous les bons livres que j'ai lus, m'ont donné envie d'écrire. Et quel est le livre que vous recommanderiez à un téléspectateur? Oula, mais il y en a beaucoup. Alors là, c'est assez difficile. Le livre que je recommanderais, vu ma posture de professeur, d'enseignant de français, ou le livre... Oui, allez-y, on attend que vous proposiez quelque chose. L'aventure ambiguë, chez Camille Doucan. Oui, bien sûr, on ne les cite plus, ça fait partie des classiques. Le monde s'effondre, Chinois Le monde HB. S'effondre, Chinois HB, oui, bien sûr, c'est des livres qu'on devrait tous avoir dans nos bibliothèques, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui qui ne lit plus. Ou alors qui ne sait plus lire. Voilà. Et même les livres deviennent rares. Moi, je pense que tous ces classiques qui font partie de notre patrimoine, non seulement littéraire, mais le patrimoine africain, mondial, puisque
avec l'Afrique de l'Ouest, hein, qui a beaucoup inondé notre littérature et notre savoir dans, lors d'une certaine époque. Moi, je pense qu'on devrait avoir tous ces livres-là dans nos bibliothèques. Oui. Al-Moyan, le titre de votre roman, pourquoi Al-Moyan ? Tout bêtement, parce que je me suis rendu compte qu'il était très difficile de donner un titre à une œuvre. Vous savez, quand on écrit, on se dit, bon, on va trouver le titre après. Parfois, on croit avoir trouvé le titre, puis après, on dit non, c'est pas... Puis à la fin, on se retrouve sans titre. C'est puis, le souci d'être original ? Oui, oui. Mais en même temps, je pense que ça fait aussi partie d'une hésitation qui habite tout écrivain. Je ne sais pas, je suis comme mon premier roman qui est lu par le grand public, mais je pense que les grands écrivains diraient la même chose. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas trop m'avancer, mais... Il y a toujours un peu de vertige, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et après, il faut pouvoir retomber sur ses pieds et se dire, non, je pense que celui-là aurait plus de sens. Est-ce qu'il y a la même hésitation pour la première de couverture ? Là, on voit pratiquement un immeuble... qui est dressé de tout son long, là, et des enfants qui le regardent, ça, c'était un peu le tableau de nos vies, là. Exactement, il y a eu l'hésitation tout le temps, et puis, bon, je me suis dit, ça ressemble à peu près à... Parce que là, ce n'est qu'une image. Oui. Je me suis dit, ça représente bien, oui. Moi, j'aime bien le petit garçon avec Fabregas. Vous voyez, nous sommes, on doit le dire, ici, dans la médiathèque de l'Institut français de Yaoundé. Et juste derrière vous, c'est donc l'avenue Kennedy, et où il y a beaucoup d'enfants de la rue. Et on va dire que vous avez pris cette photo-là, c'est ça ? Ça y ressemble. Hein. Ça y ressemble. Et moi, j'aime bien le fait que ça ressemble. Mm. Et il faut que ça ressemble à beaucoup de nos capitales, il faut que ça ressemble à beaucoup de nos villes que nous connaissons, parce que finalement, là, c'est une ville impersonnelle. Ouais. C'est un immeuble, je ne sais pas, vous saurez, personne ne saurait le situer, puisqu'il n'existe pas tel quel en réalité. Et là, je dis bravo à l'infographiste qui a su. Alors, le fin mot quand même que je tire, impression de lecteur de votre ouvrage, c'est que le vice... et la vertu ne sont pas toujours là où on les croit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, on jette un premier regard, on a l'impression que dans les belles maisons, les beaux quartiers, les quartiers huppés, c'est là qu'il y a la vertu, et que dans les squats, les bas-fonds, c'est là-bas que se cultive le vice. Votre roman tend à nous montrer le contraire. Pourquoi ce choix ? Ben parce que la vie... Pour le peu de temps que j'ai vécu, je pense qu'on a tous pu voir des situations dans lesquelles on trouve plutôt la solution du côté où on ne l'attendait pas du tout, où quelqu'un va nous surprendre, dit, non, je n'aurais jamais pensé que lui pouvait m'aider. Ah, tel voisin, oulala, mais pour aller chez lui, c'est tellement compliqué d'entrer. Puis on se rend compte que c'est le voisin le plus gentil. Le roman s'amorce par Joël Nima, c'est ça ? Oui, Joël Nima. Qui va à la recherche du travail, il va croiser une dame qui est DG, voilà, et lui dit qu'il est lauréat, journaliste et tout ça, et il veut le boulot. Et vous amorcez ça pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que le raconteur, le narrateur, est figuré en journaliste. Non, je pense que c'est juste pure coïncidence. Et si vous y êtes reconnu un tout petit peu, moi, ça me donne déjà de bons points, parce qu'il faudrait que tout le monde puisse se reconnaître. Oui, mais le kit qu'il a, il a quand même une caisse là où il y a du matériel de tournage. Hein? Oui, mais il a gagné à son concours... international. Il est international, le concours. Ça donne encore plus d'envergure à notre personnage. Donc, lorsqu'il va à la recherche de ce travail, il va avec tout ce qu'il a, avec tous ses diplômes, tout ce qu'il a pu déjà gagner par son génie. Et surtout, c'est sur ce matériel-là qu'il compte. Ouais. Voilà. Sauf qu'il va avoir un renversement. En fait, lui vient chercher le boulot et vous l'amenez à découvrir à l'épreuve son travail, c'est-à-dire il sortira de ce bureau et fera des rencontres. Une rencontre importante de trois personnages qui lui donnent l'impression d'être des gens dangereux.
Mais c'est autour de ça que va se tourner, va se nouer l'histoire, l'intrigue. Exactement. À partir de cette rencontre. Et parmi ces trois personnages, il y a donc Al-Moyan. Le fameux Al-Moyan. Le chef de gang, le chef de gang, dans l'esprit de notre lauréat. Al-Moyan qu'on découvre au troisième chapitre, c'est ça? Et vous avez une particularité dans le style, c'est ce que Emily Boom appelle l'écriture chorale. On découvre chaque personnage avec une immense densité d'informations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Al-Moyan qui apparaît, qui est-il? Et on découvre qu'il était un étudiant en anthropologie. La suite, c'est quoi? Mais la suite, c'est qu'il n'a pas pu arriver au bout de ses études parce qu'il y a eu des remous dans son université. Et je pense que ça aussi, ça parle à tous, à tous les étudiants d'une certaine époque, quels que soient les pays. Ouais. Voilà. Et c'est ce côté dense-là, des aventures qui arrivent à chacun de ces personnages-là qu'on ne peut pas limiter à un... À un lieu précis, voilà. À une histoire. Mais il y a quand même un prétexte, parce que moi je me retrouve, hein, j'étais étudiant en Guayaquil à ce moment, et quand on parle d'Abraham... Oui, après il faut des ingrédients pressés pour saupoudrer, vous savez. Voilà. Vous insistez sur ces moments ces moments conflictuels entre étudiants, et puis... le gros camion de la police qui vient déverser ses eaux. Tout à fait. Et je pense que tous les étudiants au Cameroun, hein, des années 90, 91, 92, devraient se reconnaître s'ils ont vraiment été à l'université. Voilà. Donc, Al-Moyan est là. Il est parti de là. Et vous nous montrez pourquoi il se retrouve. Enfin, le raconteur nous montre comment il se retrouve dans la rue, là, en situation. Il y a une peur bleue, quand même, chez Joël Lima. C'est qu'il a peur d'être embarqué par les enfants sans foi ni loi. Tout à fait. C'est-à-dire un monsieur de la vingtaine qui entraîne des tout-petits et il a l'impression d'être embarqué dans un groupe. Et il y a chez vous une technique qui pousse le lecteur à avoir peur à la place même. Tout à fait, parce que parfois la peur est contagieuse. Je ne sais pas si vous avez vécu des situations où vous ne savez pas pourquoi vous avez peur, mais vous avez peur parce que vous avez l'impression que tout le monde a peur. Ouais. Parfois on se retrouve à courir sans savoir pourquoi on court, mais on court après ce qui court. Donc Joël Lima a devant lui Al-Moyan et deux enfants, et il a l'impression qu'ils vont l'amener vers le lac municipal, un peu. Je n'ai pas dit lac municipal, mais c'est tout comme, pour se faire étrangler, progressivement il se pose des questions, et puis, après Al-Moyan, on découvre Jeff et Clark. Exactement. Alors, quels sont les gens qui constituent le petit groupe d'Al-Moyan, ces deux enfants, dont on va découvrir les histoires personnelles, et on comprendra à travers les récits qui sont faits à longueur de page que parfois les enfants qui font la rue, qui sont enfants de la rue ou enfants dans la rue, les spécialistes font cette différence, que l'origine c'est leur famille. Commençons par Jeff. Alors, Jeff, lui, c'est un enfant des beaux quartiers, le genre d'enfant que les autres enfants envient. Genre d'enfants que les autres enfants admirent. Et ils admirent parce qu'ils ne voient que tout ce qui est extérieur. Ouais, le clinquant. Le clinquant, tous les... Comment on va dire ça? Ben, tout... La bonne vie, évidemment. Voilà, tout à fait. On voit le luxe, on voit l'opulence, on se dit, lui, il n'a besoin de rien. Mais alors qu'il a besoin de l'essentiel. Oh, il y a un mal-être chez cet enfant. Exactement. Parce qu'il se sent mal aimé. Il déborde de trop d'attention sur des choses dont il n'a pas vraiment besoin. Notamment un grand écran. Exactement. Tout est grand, tout est gros chez lui. Tout est. À un moment même, il dit que sa mère avait une grosse bague et que peut-être parce que tout était gros. Voilà. Donc en fait, lui, il est en hyper
affection, hyperaffectivité, il a tout, mais il n'a pas l'essentiel. Il n'a pas l'essentiel, je ne sais pas. L'essentiel, c'est quoi? C'est la présence des parents, la présence chaleureuse. Une présence, à mon sens, hein, je ne suis pas là pour juger les parents ni rien. Vous avez parlé de l'hyperaffectivité, il n'y a pas. Je dirais de l'hyper. Je sais pas, de l'hyperprotection, de l'hyper. Ou alors il y a trop de choses, mais il n'y a pas l'amour. Il y a trop de choses autour de lui que les autres, notamment les parents, et voilà, les parents jugent utile, nécessaire, mais dont lui n'a pas vraiment besoin. Voilà. Okay. Enfin, les parents transfèrent sur lui leurs goûts. Exactement. Qui ne sont pas les goûts de l'enfant. Non seulement ne sont pas les goûts de l'enfant, mais là je vais vous parler comme un professeur de lettres, ce ne sont pas des goûts de l'enfant, mais ce ne sont pas non plus des goûts d'enfant. Ok. Voilà. C'est bien, mais je vais vous suivre aussi. Ce qui est pris pour les parents pour le bonheur de l'enfant, mais va le conduire plutôt dans les égouts. Alors lui, il va préférer les égouts, le goût des égouts, parce que pour le coup, le tout à l'égout a du goût, puisqu'il va partir de la maison. Voilà. Et il part, il dit qu'il en avait... Enfin, que c'était trop. Voilà. Il en avait marre. Je ne voulais pas dire le mot, mais... Donc, il part pour la rue. Voilà. Là, c'est Jeff. Et ensuite, il y a Clark, tout à l'opposé. Il y a Clark, qui est né d'un amour passager... Grossesse non désirée, enfant non désiré, et puis par contre, lui, il a reçu beaucoup d'amour. Sa mère, fille seule, a assumé et elle a pu trouver un mari. Alors lui, il sort plutôt d'une famille très, très aimante, une famille normale, comme on peut en trouver. Et lui, il a plutôt peur de faire souffrir ses parents. Donc lui, il part, on va dire, par amour pour sa... Pour protéger ses parents. Voilà, exactement. Parce qu'il serait né, il serait un peu un problème pour d'autres. Alors, il vaut mieux que je parte pour ne pas... Pour ne pas gêner. Pour ne pas gêner ses parents qui me donnent tant d'amour, ils ne méritent pas. Et surtout là, apparaît encore l'image de la belle famille qui peut s'introduire dans les foyers et chercher à résoudre des problèmes d'une introduction pernicieuse. Exactement, voilà. Tout à fait. Alors, donc on a ici brossé le portrait des trois. Il se trouve que Joël Nima, qui a son trousseau de journalistes et qui est appâté par eux, craint d'être en présence des gens d'un gang, de vrais bandits. Oui. Or, il va découvrir que le vice est plutôt en ville, dans le clinquant, mais là où les enfants s'en vont, dans le squat là, il y a la vie. Alors comment est-ce que vous construisez ça? Décrivez-nous d'ailleurs ce qu'il y a derrière les immeubles, là où il va être amené. Alors, là où il va être amené, ça va d'abord lui paraître tout drôle, parce que il connaît la ville, et on lui parle d'un quartier dont il n'a jamais entendu parler. Derrière les collines. Mais c'est le nom du quartier. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas eu un effort de recherche derrière les collines. Ben c'est, oui, mais aucun lieu ne s'appelle derrière les collines. Voilà, donc on comprend que ça s'est construit tout seul et que, pour le fait, lui, justement, n'avait jamais entendu parler de ça. Donc il y va avec la même peur, la même hésitation. Mais en même temps, ce trio cornu a quelque chose de charmant qui l'attire. Et il se dit, bon, je vais aller voir. Et ce qui est très surprenant et qui surprend même le narrateur, tout le monde, c'est qu'à un moment, il dit, je viens avec vous. Ouais. Vous êtes de ma famille, vous êtes mes frères. Donc il est rassuré. Mais alors, qu'est-ce qu'il trouve? Il va trouver un endroit propre. Il va trouver un endroit organisé. Il va trouver un monsieur d'un certain âge. Le vieux. Le vieux, qui joue son rôle de guide, sans chercher à savoir qui est qui vient d'où, qui... Et pourquoi il vient. Et pourquoi il vient. Voilà. Il est dispensateur de valeurs sacro-saintes.
On peut le dire comme ça? Oui, on... oui, oui, oui. C'est derrière, dans l'arrière-cuisine, dans le squat, dans ces milieux abandonnés. D'ailleurs, c'était un lieu qui était abandonné, non? C'est un lieu qui était abandonné, un ancien marché, où la municipalité a décidé de raser le marché pour aller construire un nouveau marché. Et il y a eu toute une histoire, parce que le vieux avait payé pour avoir un magasin dans le nouveau marché, mais le magasin ne lui a pas été restitué selon les termes qui avaient été conclus. Et puis il y a eu une embrouille et le vieux n'a jamais déménagé pour aller s'installer dans le nouveau marché. Et du coup, il a réaménagé l'espace. Voilà. Du coup, c'était un squat. C'est un squat, sauf que ça abonde de vie. Il y a les valeurs qu'il n'y a pas en ville. Dans l'endroit, dans les endroits qui sont des endroits recommandés, le contraire de ces valeurs, ou alors les vraies valeurs, c'est à l'endroit qui est redouté. Tout à fait. Et ces valeurs sont gardées par le vieux. C'est un coup de fouet que vous prenez pour dire aux gens, mais écoutez, le monde a inversé les choses, c'est beaucoup plus l'avoir que l'être. C'est surtout une sonnette d'alarme, oui, parce qu'on en arrive à des situations aberrantes où on se rend compte que c'est plus ce que l'on a ou ce que les gens croient avoir qui va permettre qu'on s'approche de tel ou de tel autre ou qu'on exclue tel ou tel autre parce que lui n'a pas. Donc l'avoir est en train de nous étouffer. Alors que nous sommes des personnes bien, fréquentables. Alors que le bonheur peut se trouver, là on ne croit pas. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ne sont peut-être pas fameux, mais il fait bon vivre là-bas. Exactement. Et c'est cette fraîcheur-là que Joël Nima va trouver derrière les collines. Et pendant qu'ils font le tour des entrepôts, parce que le vieux, il est fier de montrer son territoire, Les petits enfants, Jeff et Clark, justement, vont apprêter des chaises, ils vont improviser quelque chose qui va permettre de s'asseoir et de mener la causerie. Alors que quand ils étaient dans la grande ville, ils marchaient, ils étaient debout, ils étaient plutôt menacés par la grande foule et puis par le mouvement même de leurs aventures. Comment on construit un tel roman? Alors, j'ai l'impression... D'ailleurs, j'ai souligné, je ne sais plus à quelle page, là, au niveau de l'écriture, vous avez une manière propre à vous de mélanger, de donner l'impression que c'est plusieurs histoires qu'on va construire à partir d'un fil conducteur. L'atelier d'écriture s'est passé comment? Alors, ça s'est passé par plusieurs... étapes? Plusieurs étapes, plusieurs... comment je vais dire, à plusieurs moments, parce que le manuscrit fait partie de mes plus vieux manuscrits que j'ai transportés à travers des années, au fur et à mesure de mes différents déplacements. Donc, parfois, je croyais avoir terminé une partie, je la déconstruisais totalement parce que j'avais vu autre chose ou parce que je voulais donner une autre allure au roman. Ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas fait d'un trait. De trait. En page 41... Vous pouvez ouvrir à page 41, là, comme ça on va voir le premier paragraphe ou les deux premières phrases. Vous pouvez lire? Almoyan a une manière particulière de raconter les choses. Il ratisse large et, pour le suivre, il faut rester attentif pour faire tous les liens nécessaires. Ce qui peut paraître comme une digression va bientôt servir à l'unité du récit. Voilà. Alors, vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous enseigner ici? On peut faire une belle histoire, bien troussée de briques et de brocs. On prend des éléments. C'est un peu l'art de faire dire des choses sensées à partir d'un divers. Exactement. Buffon disait que le style, c'est l'homme. Ouais. Et ça, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots pour l'expliquer. J'ai envie de dire que ça ne s'explique pas. C'est votre style. C'est peut-être mon style. Ouais.
Les personnages vous sont venus comment? Est-ce qu'on a d'abord une petite histoire? On a un personnage clé, à Moyane par exemple, et puis au fil du temps, la nécessité fait qu'on fasse advenir ou qu'on amène à l'existence Clark et Jeff. Au départ, moi j'avais Al Moyane et Abraham. Mm-hmm. Je me disais, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai hésité parce qu'en même temps, il faut rester dans son couloir. Mm-hmm. Je me suis dit, je ne vais pas écrire pour témoigner. Je ne voulais pas que ce soit un témoignage. Mm-hmm. Je ne voulais pas non plus marcher sur les plates-bandes d'autres spécialistes. Mm-hmm. Puis je me suis dit, je suis professeur de lettres, tant qu'à faire, allez, on va faire un roman. Voilà. C'est quoi votre signe de ponctuation le plus préféré? Ah, mon signe de ponctuation, c'est le préféré. C'est le point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'il permet d'exprimer tout plein d'émotions. On peut s'exclamer parce qu'on a peur, parce qu'on est content, parce que... Voilà, le point d'exclamation, moi je trouve que... Voilà, la vie est une exclamation. Vous voyez, voilà. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous quelques instants de lecture, parce qu'on ne déflore pas, c'est pas le but de tout dire. Il faut laisser chaque téléspectateur, lecteur, auditeur, à chacun le soin de s'émerveiller ou de s'inquiéter à travers la lecture. On dit souvent que l'auteur a 50% de lecteur, 50%. Merci d'être venue, madame. Mais c'est moi qui vous remercie en incitant le grand public. Mmh. Je pense que sans prétention aucune, mais je pense que tout le monde peut se reconnaître à travers Al Moyane. Voilà. Al Moyane. Merci. C'était Ponctuation sur la CIR TV à mardi prochain.